vidéo où je vais vous présenter tout ce que je garde pour les prochains concours. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le... Alors, attendez. Vendredi 26 mars et je lance un mini concours qui va durer quelques jours. Mais vous, quand vous verrez la vidéo, le concours sera déjà en ligne et peut-être fini. Il va durer quelques jours et c'est pour vous remercier parce qu'on est à un chiffre de 1111, que n'est un. Donc je trouvais sympa de faire un tout petit concours. J'ai un truc sur les lunettes, je ne vois plus rien, lol. Donc du coup, je vais vous lancer un tout petit concours. Et je vais détacher mes cheveux, ça sera mieux quand même. Hop là, voilà. Je préfère faire des vidéos avec les cheveux détachés. Donc, on va commencer par quoi? Je pense que ça sera une petite toile de chez A Diamond Painting qui sera gagnée. Alors, je pense que là-dedans, c'en est d'ailleurs. Alors, c'est quoi celle-là? Il y a la toile de pampan, comme ça. Donc, je ne vais pas les ouvrir. C'est une 40 par 30 en rond. Non, en carré. En carré, donc elle est mise de côté pour les concours. Voilà. Je les stocke comme ça dans des enveloppes. Certains sont dans des boîtes. Parce qu'il y a des grandes tailles. Il y a des grandes tailles. Donc les grandes tailles seront pour des gros concours comme genre 2000 abonnés, peut-être 1500. Voilà. C'est vraiment pour... Alors, c'est la meuf de Star Wars, je connais toujours pas. Hein. C'est une 30 par 40 en carré. Alors, celle-là, elle vient de chez Yuashina Store. Elle colle super bien. Hein. Elles sont super bien. Donc, il y a elle. Donc là, ça fait des petits fils sur les côtés, mais bon, c'est rien. Donc, voilà, il y a elle. Il y en a certaines, ça fait un petit bout de temps que je les stocke, hein, déjà. Celle-là, c'est de chez A Diamond Painting. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé un colis aujourd'hui. Donc, alors, je suis désolée, je me suis arraché une peau et j'ai les doigts qui sont tout abîmés. Donc là, c'est la femme qui est de dos, comme ça. C'est un 30 par 40 en carré. Carré, kit complet, voilà. Là, vous pouvez voir que c'est super bien imprimé et tout. Donc pourquoi je vous les fais gagner? Parce que c'est des thèmes que je n'aime pas, que je n'ai pas envie de faire. C'est des trucs qui ne m'intéressent pas et que moi j'ai. Donc les deux de Yuashina Store, je les avais eus en cadeau pour des commandes. À Diamond Painting, bah, c'est un partenariat. Moi j'ai gardé la toile qui m'intéressait et les deux autres toiles, ils ne me plaisaient pas dans les trois qu'ils m'avaient envoyées. Donc du coup, j'ai gardé que celle qui me plaisait et parce que ça ne me plaît pas. Donc je ne vais pas me forcer à faire une toile que je n'aime pas. Donc voilà, j'ai déjà en ce moment un passage à vide avec le Diamond Painting. Et alors si je me force à faire des trucs que j'aime pas, ça va pas le faire. Donc là, c'est le home. C'est le home comme ça avec une phrase. Pareil, c'est un 30 par 40 de chez A Diamond Painting. Et là, je crois que c'est des pierres rondes. C'est des pierres rondes. Et pareil, il est très très bien imprimé. Par contre, au niveau des phrases, je crois que j'avais dit que ça faisait un peu juste. Voilà, il y a des écritures. Mais je pense que ça fera un peu juste, mais bon, voilà. Donc là, voilà pour le premier petit paquet. Je vais ranger tout de suite dans le paquet. Comme ça, hop, on s'y perd pas. Et surtout, moi, après la vidéo, j'ai beaucoup moins de rangement à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu... Oui, si vous auriez vu... Vous avez vu, oui, vous avez vu, c'est bien ça, par la France. Il y a eu un tag sur, je crois que c'est 50 faits sur moi, un truc du genre. Ça coupe assez net parce que en fait, pour tout vous dire, j'avais une grosse migraine. Et en plus, la petite faisait du bazar à côté. Et du coup, je vous ai coupé un peu net, mais franchement, j'avais une migraine atroce. J'ai commencé la vidéo, ça allait à peu près, et tout au long de la vidéo, ça a tapé, 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 tapé. Et vraiment, j'en pouvais plus, donc j'ai coupé vraiment net, je m'en excuse vraiment beaucoup. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a celle-là. Alors, il y en a certaines, c'est moi qui les ai achetées, hein, parce que bah, je vais vous expliquer au fur et à mesure de ce qui se passe. Donc tout ça, c'était des toiles gratuites. Celle-là.
celle-là, de chez ce vendeur-là. Vous l'avez vu dans une vidéo. Ça, c'est moi qui l'ai payé. Enfin, j'ai payé pas pour avoir celle-là, d'ailleurs. Alors, on va enlever tout ce qui est matériel et tout ça. Hop. C'est cette toile-là. Cette toile-là, en 30 par 40, en rond. Vous voyez bien, de toute façon vous voyez là, hein, ouais. Celle-là, pourquoi j'ai celle-là? Parce que le vendeur s'est trompé. D'ailleurs j'attends, il doit m'en renvoyer, je devrais pas tarder de la recevoir. La coccinelle à Monte Carlo, la voiture de la coccinelle à Monte Carlo, pas la coccinelle. Et que choupette, en fait, tout le monde a autre chose ou choupette. Et c'est celle-là que j'avais commandée, et le vendeur s'est trompé, il m'a envoyé ça. Il m'a dit que normalement ma toile était partie, que je devrais pas tarder de la recevoir. Donc on verra bien. Voilà. Donc du coup celle-là, je vais pas la faire parce que elle me plaît pas. C'est pas mon style. Donc concours. Concours. Donc celle-là, c'est moi qui l'ai payée. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, tant pis. En espérant que le vendeur. Oh, d'accord, ça ne va pas retourner dedans. Je vais mettre de côté. Hop. En espérant que le vendeur c'est vraiment réglo et qu'il me renvoie la toile que j'avais commandée. Parce que le temps que vous avez pour ouvrir un litige et tout ça est fermé. Donc du coup je suis dégoûtée. Donc là on a une de chez Ybroderie Diamant. Vous voyez, vous allez partager. Donc ça c'est du AliExpress l'autre. Hein. Ça c'est du Ybroderie Diamant. C'est une 40 par 50. Non mais c'est galère en plus à vous montrer ça. J'espère que je vais réussir à faire rentrer. Il y a le stylet qui se balade au fond. C'est des chevaux comme ça qui courent sur la plage. Avec un coucher de soleil. Voilà. C'est une 40 par 50 et c'est des pierres. Carré. Donc la personne qui va gagner, je sais que ça peut peut-être ne pas trop plaire parce que chez Ybroderie Diamant du carré, c'est un peu, c'est pas tout à fait net, c'est pas génial, donc ouais, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, donc je sais pas. Donc tac. Mais des fois, ce que je ferais l'eau surprise comme ça, j'aurais pas, la personne recevra un truc mystère, elle verra bien de ce que c'est. Donc voilà. Donc celle-là, hop, je l'ai faite, je vais la poser à côté de moi par terre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai celle-là. Celle-là, c'est une 30 par 45. Et c'est une tête de mort, comme ça. 30 par 45. Parce que le problème, c'est qu'il y a certaines toiles, je suis pas sûre que ça plaise à d'autres. C'est du rond. Et elle vient de chez Ybroderie Diamant, il me semble, celle-là. Et le problème, c'est que je pense que si par exemple je dis, bah voilà, on va jouer pour la toile Star Wars, la toile tête de mort, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais à la fois, je me dis, si je vous fais le concours et que vous gagnez et que ça ne vous plaît pas non plus la toile, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous, bah, ça vous plaît. Moi, ce qui m'embête le plus, oui, c'est la toile Star Wars et puis bah, celle-là, la tête de mort. Est-ce qu'il y a des intéressés vraiment ou pas? Donc après, on aura la toile de chez Haaction. Vous vous rappelez le partenariat pour un super site de dropshipping qui m'envoie une toile de chez Haaction. Donc celle-là, c'est une 40 par 60. Complet et c'est des chevaux qui courent. Voilà. Donc voilà celle-là. Bah, je vous la déballe pas hein, de toute façon. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Sinon vous retournez en arrière pour voir. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça on l'a fait. Bah, il me reste trois grandes et après c'est du matériel. Le matériel vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Mais je vais le représenter quand même. Donc là c'est quoi? Ah, ça je sais c'est quoi. D'ailleurs, cette vendeuse, c'est une
Bip. Bip. Elle a jamais voulu me refaire les toiles. Et du coup, bah, j'ai payé 2 toiles dans le vide, quoi. Ça m'a bien saoulé. Donc là, c'est la toile... Hop, je vais vous montrer comme ça parce qu'elle a enroulé à l'envers. C'est la toile comme ça de Fort Boyard. Et la personne s'est trompée, en fait. Elle me l'a fait en... Je crois que... Oui, c'est celle-là. En 45 par 50. Hop, c'est marqué là. En 45 par 50. Et en fait, moi, je les voulais en 40 par 50. Parce qu'en fait, la première que j'ai fait faire... Alors, pour vous resituer le contexte, en fait, c'est une série. C'est quelqu'un sur un groupe de Fort Boyard qui a fait une série de 5 toiles. Ouais, 5 toiles. 5 toiles sur Fort Boyard, comme ça. C'est des dessins que lui, il a fait. Et des aquarelles ou de, je sais pas, c'est à la peinture, de toute façon, bref. Et moi, mon fils est un fan de Fort Boyard, mon grand, et il va être plus que ravi quand il va voir ce que Rachel lui a offert dans le colis que j'ai caché pour son anniversaire le 11 avril. Donc, je voulais lui faire la série complète à la même taille et mettre les mêmes cadres. Et en fait, quand j'ai commandé chez cette vendeuse, j'ai bien précisé la taille que je voulais. Et elle s'est permis de me changer la taille en disant « Oui, mais j'ai préféré vous mettre quelques centimètres, peut-être que ça serait mieux. » Oui, mais non. Oui, mais non. Non, non, parce qu'en plus, bah, du coup, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout, donc cette vendeuse-là, je la recommande pas et je sais plus comment elle s'appelle. Et je vous avais mis, hein, vous allez voir quelques mois en arrière, quelques semaines en arrière, vous aurez l'ouverture complète, donc vous saurez exactement c'est qui. Et bah, je suis désolée de pas vous le redire maintenant, mais c'est un petit peu embêtant. Donc il est complet, c'est des pierres rondes. Et je l'avais en plus payé plus d'une dizaine d'euros la toile. Et il y en a 2 comme ça. Donc attendez, ça je vais le remettre derrière, je vais juste tout remettre ensemble. Je remettrai dans la boîte après. Donc c'est une boîte broderie diamant, hein. Je recycle les boîtes mais c'est pas la boîte d'origine. Et donc la deuxième elle est là, pareil, boîte broderie diamant. Moi j'écris là sur les boîtes, vous voyez. Si vous recevez la boîte, vous saurez que j'ai écrit dessus pour me rappeler ce que c'était. Et la deuxième de Fort Boyard elle est là. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que ça allait pas. Et elle m'a fait les 2 au même format, bien sûr. Et quand je lui ai demandé de me refaire les toiles, elle a jamais voulu. Donc du coup, moi, je les avais recommandées sur le vendeur qui fait, vous savez, les prénoms. Alors, je sais jamais c'est quoi. Les prénoms en grosses lettres, là, décorés dedans. Et après, je les ai commandées. Elle me dit, mais si, je voulais faire refaire. Je lui ai dit, bah non, c'est plus la peine. Elles sont refaites. Je venais de les recevoir en plus. Et du coup, elle a jamais voulu me changer les 2 toiles, me faire 2 autres toiles au même format et qui avaient la même valeur, quoi. Mais non, non, elle a jamais voulu. Donc, celle-là, je vous avais mis dans l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, je vous avais mis le nom et je vous avais dit qu'elle était à fuir, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est une 45 par 50. Pareil, en rond. En rond. Elle colle très, très bien. Voilà. Donc ça, hop, j'y ai pas trop touché. Elle va peut-être rentrer tout de suite. Donc je crois qu'il y a un truc qui vient de tomber. Ça doit être un pan de colle. Non, je sais pas. Non, j'ai cru. Donc voilà. Et il me reste une toile. Je sais même plus c'est laquelle, ça. Ah si. Celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc celle-là, tout ça, c'est des acheteurs. Donc ça c'est acheté. Et celle-là c'est une que j'avais gagnée sur AliExpress, sur les cadeaux AliExpress. D'ailleurs ça fait, je sais pas, si vous faites tous les jours là, les cadeaux de chez AliExpress à 1 centime, dites-moi si vous gagnez. Moi ça fait des lustres, des mois que je n'ai pas gagné. Franchement je n'ai pas gagné. Alors que tous les mois pratiquement je leur laisse 50 euros. Surtout, voire des fois plus. Donc franchement, je suis dégoûtée. Donc ça, je l'avais gagné sur AliExpress. Et c'est une chouette mandala, comme ça. Elle est en... quelle taille?
40 par 40, voilà. Donc 40 par 40, 45 couleurs, et c'est du rond. Et c'est de chez Vue à Crème. Voilà. Donc voilà. Pareil, boîte recyclée. Hop, on met dedans. Et hop là. Donc tout est complet, hein. Il manque rien. Il y a les kits tool. Enfin, il faudrait que j'aurais vérifié les kits tool. Parce qu'il y a des fois, je ne les remets pas avec. Oh, je suis désolée, j'ai reniflé, je suis désolée. Les kits tool, il faut que je vérifie qu'il y ait bien tous les kits tool. Parce que, je pense que la plupart, vous êtes comme moi, vous avez tout ce qu'il faut. Mais si ça tombe sur une personne qui débute, on ne sait pas. Elle n'aura pas forcément des kits tool pour faire. Donc ça, il faut que je vérifie. Mais sinon, je pense qu'il doit y avoir. Sinon, j'en remettrai. Et il nous reste tout ça. Ça, c'est des petits cadeaux. Donc, alors, il y a trois boîtes de chez Hibroderie, comme ça. Là, il y a les cadeaux là, qui arrivent, c'est que du Hibroderie. Il y a trois boîtes carousel comme ça de chez Hibroderie. Là, il y a les bouchons qu'on a imprimés en 3D, que j'ai mis dedans pour pas les perdre. Un stylet imprimé en 3D. À moins que je fasse gagner le petit lot imprimé en 3D aujourd'hui, je sais pas pour l'autre. Un entonnoir. De la colle en veux-tu, en voilà, ça je vais partager dans les lots. Une roulette comme ça. Un stylo. Mais ça, c'est pareil, je passe vite parce que vous les avez vus il y a quelques jours. Oh là là, quelques jours sur en vidéo. Donc quelques semaines peut-être. Peut-être une semaine, le temps que la vidéo soit en ligne, peut-être une semaine, 15 jours, mais vous les avez vus. Les boîtes de tic-tac et la tablette A4. Donc voilà pour tous les petits lots pour les concours. Donc voilà, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il faut que... En fait, je croyais que j'avais mis tout dans un carton, mais non, il faut que je mette dans un carton pour stocker. C'est le stock des concours. Donc je vais... Allez, je vais pêcher une toile. Une des deux de chez Diamond Painting. Voilà, bon, c'est celle-là. Je vais faire la vidéo tout de suite derrière pour le concours et ça sera celle-là qui sera à gagner. Enfin, vous, comme je vous ai dit, le jour où elle sera publiée, celle-là sera publiée, le concours, je pense qu'il sera terminé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Au fur et à mesure que j'en rajouterai, peut-être que quand j'aurai... de quoi faire une vidéo, 4-5 lots peut-être, je referai une vidéo, il faut qu'on cherche encore sur internet pour essayer de trouver des trucs à imprimer qui changent, mais bon, il n'y a pas grand chose, et franchement nous avec Fusion 3D on n'y arrive pas, 3D c'est pas 3D, 360, on a vraiment du mal, on n'y arrive pas, donc après c'est très très compliqué. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous !